Yo! Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle playlist. Aujourd'hui, on parle de black metal. Non, je déconne, c'était Halloween et du coup, je me suis déguisé. Salut les gens! On commence tout de suite avec ZZ Ward. I got 10 things to the sky, my back to the wall, my white flag. Déjà, c'est drôle parce qu'elle s'appelle ZZ. Non, mais comme ZZ Top, le groupe avec les barbes. ZZ Ward, elle a un an de moins que moi, et outre sa ressemblance physique avec l'actrice Anna Kendrick, que j'aime beaucoup et je vous conseille Pitch Perfect, le film, j'adore son approche bluesy de la musique, c'est vachement chantant, c'est vachement entraînant en fait. En ce moment, la tendance en pop électro, c'est tout ce qui est un peu deep house, un petit peu lounge, un petit peu comme Major Lazer. Et dans ce genre-là, mon coup de cœur du moment, c'est vraiment ce groupe, Yol. Come here and visit my world. Yol, c'est un quatuor espagnol composé de deux DJ producteurs et de deux VJs, des vidéo J's. Et on les découvre parce qu'en ce moment, ils sont la musique d'une campagne de pub de Desigual. Fait un featuring avec la chanteuse Gabriella Richardson. C'est un titre qui passe beaucoup en radio et que j'adore. Dance with me one more time. À donf. À donf. À donf. J'adore tellement ce titre que ça me donne envie de vous faire des bisous. Et ça tombe bien, c'est le titre du dernier Holly Murs Kiss Me. I want to love you. Holly Murs, c'est un artiste que j'aime énormément et je n'en ai pas encore parlé, mais à mon avis, ce sera pas la dernière fois parce qu'il fait beaucoup de titres et ils sont de toute beauté. Désolé. Voilà, c'est le moment, j'ai peur de rien, on passe au titre honteux. Je vous laisse un petit peu deviner de qui il va s'agir. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une nouvelle playlist, il y a un titre où je fais « Ah, c'est vachement bien ça, c'est qui ?» Et là, il y a un pote ou Shazam qui me dit que c'est un artiste que d'habitude... Enfin, bon, bref. Le dernier Justin Bieber, Sorry, que je trouve excellent, mais pour ma défense, c'est Skrillex qui est derrière la musique. Pas résister. Non, parce qu'en fait, j'ai eu la discussion avec un de mes meilleurs amis il y a pas longtemps, qui... vomit ce genre de musique. Du moment que c'est bien fait, moi ça me plaît, et là je trouve que ce titre Sorry, il est vraiment... Oh, ce disque, j'ai envie de lui faire l'amour. On passe au vrai coup de cœur de la semaine. OSBC pour être précis, son suédois, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, et c'est ce qui fait tout le charme du groupe. Ils viennent de sortir leur troisième album qui s'appelle Meliora, qui est à mon goût le meilleur qu'ils aient fait, et ils viennent de terminer leur tournée française. C'est un groupe à forte identité visuelle, et c'est ça qui est génial. Le chanteur n'a pas de nom, il s'appelle juste Papa Emeritus, genre c'est un pape, parce qu'ils reprennent beaucoup les codes de l'église. Et du satanisme. Mais évidemment, c'est juste de l'image et un peu de marketing, comme le font beaucoup de groupes à la Rammstein, et j'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus. Pour ceux qui n'aiment pas trop le rock ou même le métal, le chanteur ne hurle pas, il a vraiment une très belle voix. If you have ghosts, you have everything. In the night, I am real. Voilà, c'est tout pour cette quatrième playlist. Pour la prochaine, je vais peut-être inviter des gens, voilà, pour que vous me parliez aussi de vos chansons préférées. Amanda, je voulais juste savoir, qu'est-ce que toi t'écoutes en ce moment? Alors, en ce moment, je suis à fond sur Usher, la dernière de Usher. Merci. Et une playlist de semaine avec Sabrina, et Sabrina qui écoute Robin Schulz Sugar, apparemment. Oui, et beaucoup. Et DJ aussi. Aussi. Et je suis en fait une tête dans ma voiture. Ah ouais, non, en fait, c'est pas une bonne idée. Bah, vous savez quoi? Non, pour les prochaines playlists, je vais rester tout seul. Ouais. Et je vous dis à très bientôt. Bon putain, on dirait les link-up quoi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, sinon j'enterrai vos cauchemars jusqu'à la fin des temps. Non, je sais pas le faire, mais vous imaginerez cette gueule-là quand vous vous endormirez, et croyez-moi, ça fait flipper.